Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Dino Crisis 2 sur PC. C'est Lumière. On va continuer notre progression. Ça doit être par là. Mince alors. Voilà. Dès l'entrée, il nous touche. C'est pas grave, ils sont éliminés maintenant. Voilà. Cette fois-ci, on va pas. Waouh, attention, ils viennent à une vitesse rapide. Cette fois-ci, on va faire attention. Il était derrière nous. Et voilà. On doit y aller, je crois bien que c'est par là. Toujours les crocodiles, aussi ennuyeux. On saute pas ici. Je l'ai vu venir, je l'ai senti. Tiens, la colonne est endommagée et donc plus fragile. Une arme peu puissante suffira à le détruire. Voilà. Et voilà, la plateforme maintenant descend, maintenant est accessible. Maintenant le chemin est accessible pour la porte. Quand on fait un saut, voilà la porte qu'on va emprunter. Pas mal, 6000 points pour le passage sous-marin numéro 2. Et bah tiens, ce terminal gère l'électricité. Ouais, on va l'alimenter. Maintenant, l'ascenseur est opérationnel. Voilà. Allez, on continue. Tiens, 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 tiens. Mais qu'est-ce que je vois? Et finalement, on trouve la cheville. Waouh! Tu m'as fait une de ces peurs. Mais te voilà mort. Je me suis vengé en quelque sorte. Et puis, reste. Ah ah! Ah oui, j'ai oublié d'utiliser l'arme secondaire. Et maintenant, double combo. Et tu croyais venir où? Waouh, je n'ai pas vu venir celui-là. Je ne l'ai pas vu. Mais de toute façon, on s'en fiche, je prends la porte et je sors. Il y a d'autres choses plus importantes à prendre soin. Tout d'abord, on saute. Puis on va utiliser la cheville. Objet, cheville, validé. Maintenant que la cheville est en place, on va le mettre en marche. Génial. La
La voie est libre. Pa, 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 pa. Allons-y, mais avant toute chose, je vais faire quelques achats rapidement. Voilà l'ordinateur. Allez, pour qu'on finisse rapidement. Arme, non, il n'y a rien. Mais pour le chargeur, je vais recharger. Waouh, il coûte beaucoup. C'est pas grave. Pour les outils. Nah. Il viendra le temps où je vais dépenser tous mes points. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Allez, maintenant. Mince alors, je voulais pas sauter, mais je voulais ouvrir la porte. Maintenant, on va retourner vers la grande salle. Maintenant que le passage est libéré. Ah, raté. Un doublé. Ah, triplé. Ah, quadruplé. Oh putain, je suis génial ici. 3320 points. Ça en valait la peine. Et puis quoi encore? Encore plus d'ennemis? Je t'ai eu. Mince alors. Crève. Je vais prendre l'ascenseur cette fois-ci. Comme ça va nous faire gagner du temps pour arriver à destination. Voilà. 600 points, pas mal, pas mal. Ou bien en gros, c'était 1200 points dans cette pièce. Puis on descend. On va emprunter ce chemin. Waouh! Allez, on descend. C'est par là. Je t'ai vu venir. Allez, qui veut goûter à mes lance-roquettes? Ou bien lance-grenade sous-marine. Je sais pas, je me rappelle plus. Je vais tout de suite me soigner. Ça suffisait une petite, un petit kit de soins. Bon, on va prendre l'ascenseur, pas besoin de faire quoi que ce soit. Eh bien, voyons voir. Ça doit être le passage bloqué. Voilà. Maintenant qu'il est accessible, on peut traverser. Eh ben tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça me dirait bien que c'est une carte magnétique. Carte clé d'Edward City. Génial. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Un dossier d'Ino. Un Pléosiosaurus. Pléosiosaurus. Ça doit être le boss qu'on va affronter. Mais pas vraiment un boss. Allez, on descend. Mais bon, ça doit être un spécimen très rare qu'on va rencontrer. Et dommage qu'on devra tuer. Acteur de tri-énergie.
une petite cinématique. Ça ne m'inspire rien de bon. Attention! Les réacteurs Trinity a été endommagé à cause de cette bestiole. Faut faire attention. Et on devra faire face à ce Pleiosaurus, je sais pas comment ça se prononce, s'en fiche, mais bon, on va lui botter le cul et lui mettre des grenades dans la bouche. Allons-y. Faire attention avec lui. Faut pas rigoler. C'est par là le chemin. J'espère faire un parcours parfait. Voilà. 10 000 points sans se faire toucher. The water current is present. Voilà. Le système de défense a été désactivé. Maintenant, tout est redevenu stable. Inventaire complet. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Ah, je vois. Maintenant, il faut monter par ici. Voilà, là, j'espère bien que j'aurai mon bonus. J'espère bien avoir mon bonus. Medkit S, oui, voilà. Puisque j'ai déjà consommé, ça fait du bien de récupérer. Joli saut. Encore une fois, un autre joli saut à faire. Voilà. Et nous arrivons vers la sortie, finalement. Sans difficulté. Faut juste faire attention et être pressé avec l'ennemi. Et puis. Ah oui, on doit appuyer sur l'interrupteur. Et on l'active. Feu vert. Tout ce qui est vert est synonyme. Ouais, on va remonter. On n'a plus besoin. Ouf. Plus d'aventures aquatiques pour moi. Excellent, intact. 8000 points. Et voilà, nous sommes sortis. On descend. Welcome back. Et c'est Dylan qui arrive. Ici, c'est David. Il y a quelqu'un? I knew you were alive. On dirait bien qu'il a trouvé des survivants. Edward City. David. Donc ce sera notre prochaine destination. Edward City. That's not far from here. Let's go. Et comme d'habitude, Regina toujours qui nous devance. Merci
À elle, grâce à la clé d'Edward Titi, la porte maintenant est déverrouillée. Rendez-vous au plus vite d'Edward Titi pour rencontrer David. Ok. En même temps, ça sera l'occasion de faire des mises à niveau d'armes. Crever. Waouh. Ah. Et je vais prendre cette porte pour voir intact 2000 points, génial. Total 3000, c'est toujours aussi bien. Et si je me souviens bien, on va rencontrer. Bon, je vous laisse deviner pourquoi je me suis équipé avec la lance-flamme. Juste histoire de récupérer quelques points. Waouh! Vous savez quoi? Je dois sortir. Attention! Je réclame mes droits de points. Je voudrais pas rater l'occasion de ramasser mon bonus. Voilà. Et les autres? Vous devez attendre jusqu'à ce que je finisse avec lui. Ah. Le barbecue ce soir. Voilà, c'est bon, crève. Il est mort. Et nous avons récupéré un max de points ici. Et tiens, un ordinateur. C'est ce qu'il nous fallait. Ok, pour le magasin, je vais recharger d'abord mes armes. Ça prendra pas beaucoup. Voilà. Pour les outils, un nouveau outil, blablabla. Je n'en ai pas encore besoin pour les arbres. Je vais prendre le pistolet à mine. Parce que j'en aurais vraiment besoin. Pour les chargeurs, pistolet à mine, il est où? Voilà. Cartouche. Plus 50. Tu en auras besoin. Plus 2000. C'est bon. Non, attendez. Pour les outils, qu'est-ce que je vais prendre? Carte argent. Non, pas pour le moment. Le chargeur. Pour les guérisons, on est au max. Ah, vous savez quoi? J'ai oublié de faire l'upgrade de celui-là. Cartouche. Voilà, c'est bon. Parce que j'en aurais besoin dans une section du jeu. Voilà, je vais prendre le fusil à pompe. Et allez, on continue notre progression. C'est pas grave, nous avons dépensé pas mal. Mais on va rattraper ça. Le T-Rex, toujours mort. Bien, je veux. Il n'est pas vraiment appelé le T-Rex, mais j'aime bien l'appeler comme ça. Parce que je sais pas comment il s'appelle les races. Ah!
Waouh! Allez. Crevez. Crevez ensemble. Je vais commencer à utiliser l'arme secondaire. Ça va nous être très utile. Ah, j'ai oublié. C'est pas pour le moment. Allez, pour la machette. Pour cette fois. Juste histoire de dégager le passage. Arme secondaire, retour. Ah, pistolet à mine. Bord du lac. Ok. J'ai l'œil un petit peu gratteuse. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tiens. Look. Ok, c'est un signe. That's very caught. That's how you serve. Donc on doit chercher. On doit suivre cette trace ou bien ces signes. Régine a toujours qui part devant, on n'a peur de rien. Allons-y, c'est dans notre tour. Crevez. Crevez jusqu'au dernier. Puis voilà. Il crève pas rapidement. C'est ça le vrai ennui. Un combo de 3. Intact, demi-point, génial. On libère le passage avec le pistolet à mine. Et on entre dans une grotte volcanique, il me semble. Il fait terriblement chaud. Pas besoin d'aller la chercher, nous avons notre inventaire au complet. Donc ça va nous économiser du temps et on grimpe. Grotte numéro 2. Ou bien grotte zone 2. C'est ça la vraie signification. Bien. Attention, présentation d'un nouveau ennemi. Et si vous savez comment cette créature s'appelle, voilà, et maintenant il est temps d'utiliser le canon à micro-ondes. Le truc ici c'est qu'il faut renverser ou bien... Wow! Prenez ça, c'est qu'ils voulaient renverser et les rendre vulnérables en exposant leur ventre. Allez. On voit tous. Prenez ça. Très efficace. Voilà. Maintenant qu'ils sont à ventre, ils sont vulnérables et faciles à vaincre.
Allez. Il y en aura d'autres. Oh. Raté. Voilà. Et deux deux. Ah. Dans la lave. Dans la lave. Qui aurait pu croire ça? On continue notre progression. C'est un vrai labyrinthe ici. Ah, les crèves. Raté. Raté pour toi. Maintenant, où dois-je y aller? Ah, c'est par ici. J'ai fait un cercle. C'est là le vrai chemin. Il y en a d'autres? Allez, on descend. Intact, 12 000 points. Combo 2, total 18 000 points. Ça, c'est comment on joue pro. C'est par ici, je crois. Ça crève. Ah non, c'est pas par ici. Je me suis trompé. Et voilà. De toute façon, ils sont faciles. Faut juste savoir avoir un bon timing. Waouh. Voilà. Dommage que j'ai reçu un coup. Et de deux. Je crois bien qu'on est proche de la sortie. C'est par ici, je crois. Voilà. Et nous sommes sortis. Ouf, enfin. Un ordinateur. Bien sûr, on va faire nos besoins. Les armes. Il y a une nouvelle arme. Lance-roquette, à deux mains. Pour le chargeur. On va recharger nos armes rapidement. Nous avons assez de points. Heureusement que le pistolet à mine ne coûte pas beaucoup de points pour le recharger. Bien. Je crois bien que je vais m'arrêter là. Et je vous revois dans le prochain épisode et on continuera notre progression. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.